Salut tout le monde. Alors, je m'appelle Gauthier, je viens de Bourges. J'ai 19 ans. Donc, actuellement, je suis en deuxième année STPI, donc sciences et technologies pour l'ingénieur. Donc, en ce moment, là, je suis sur le campus de Bourges. Donc, je suis en préorientation MRI, c'est-à-dire maîtrise des risques industriels. Alors, mon rôle dans l'association, donc je le partage avec Céline et Raphaël. Donc, on est tous les trois donc, responsables de communication. Donc, eux le sont sur le campus de Blois et moi je le suis sur le campus de Bourges. Donc, du coup, on s'occupe hein, d'alimenter tous nos réseaux, à savoir Instagram, Facebook et également la boîte mail interne donc, de l'INSA. Et du coup, oui, donc, on diffuse tout le contenu relatif à notre association, les ventes de crêpes, on essaie d'informer au maximum là-dessus. Ce qu'on a fait précédemment avec l'explication du projet, etc. Ce projet, pour moi, je l'assimilerais vraiment à une aventure, puisque je pense qu'on va vivre des choses qu'on n'aura jamais vécues auparavant et qu'on revivra peut-être jamais, à travers les deux aspects de la mission, hein, l'aspect solidaire et l'aspect sportif. En effet, durant ces 3 semaines, on va être amené à partir à la rencontre des gens, à apprendre à mieux les connaître, à apprendre à mieux connaître leur culture, leurs coutumes. Et ça, c'est une chose qu'on aurait bien évidemment pas faite habituellement. Et du coup, c'est ce qui représente pour moi un aspect hyper enrichissant et donc motivant. Ensuite, durant ces 3 semaines, on va être aussi, je pense, amené à repousser nos limites, à franchir des barrières qu'on n'aurait pas franchi habituellement. Et voilà, et c'est ce qui me motive dans ce projet et ce qui me donne envie de m'engager véritablement dans ce projet. Merci à vous pour le soutien que vous nous avez apporté et que vous continuez de nous apporter. Hein. Donc si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous soutenir, à partager notre projet aux gens qui nous entourent. Et voilà, si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, on est là pour y répondre et on y répondra aussi vite que possible. Voilà. Donc encore merci à vous et à bientôt, j'espère.